La calligraphie, ce n'est que deux traits, la ligne droite et la ligne courbe. Et avec ça, tous les créatures du monde, ils font ce qu'ils ont, la sensibilité. Le respect de la tradition est très très important dans le milieu de la calligraphie. On doit suivre les normes qui ont été établies par les générations de calligraphes précédentes. Voilà. Il faut assimiler ce qui a fait le maître. Et le maître, lui, il est tout seul, mais il contient dans son cerveau les images de 10 siècles de calligraphie. Quand on va voir un vieux monsieur qui apprend la calligraphie, on voulait travailler avec lui, il va vous dire d'abord, vous ne touchez pas un calam pendant un an. Après, pendant un an, vous balayez, vous apportez les papiers, vous préparez l'encre. Et après, vous touchez le calam pour faire le alif, la ligne droite. Et dans cette ligne droite en soulte, il y a des morphologies extraordinaires à l'intérieur. Et ici, on met deux points pour attacher une autre lettre. Je ne vais pas monter trop parce que si je monte trop, je vais sortir de cette architecture. C'est la dernière année. Au début, je travaillais avec des autres, et puis un jour, il y a un ami calligraphe que je travaille avec lui. Il est parti travailler en dehors de l'Irak, et il m'a dit, prends mon bureau, il y a le téléphone, il y a tout ce qu'il faut pour accrocher. Et donc, c'était 68. Et pourquoi est-ce que tu décides de partir d'Irak? C'était la dernière année de l'école primaire. On fait toujours une exposition au mois de juin. Et j'avais mes dessins là, et chaque enfant est devant ce qui a fait des dessins. Et il vient deux messieurs qui étaient très gros, très larges, et presque ils m'ont écrasé. Ils ne m'ont pas vu ou ils ne veulent pas me regarder. Et ils retournent, et j'entends qu'il dit, il est bien le petit, on le voit en Italie quand il sera grand. Et l'autre lui dit, non. L'Italie, on voit ceux qui font des sculptures. Ceux qui font des dessins, on le voit à Paris. Et le mot Paris, je l'entends presque la première fois. Et ça restait dans ma tête, je voulais être artiste à Paris. Celle-là, elle était faite à l'école de Beaux-Arts, des modèles, et celle-là, après. À l'école de Beaux-Arts, j'ai expérimenté un peu tout. J'ai passé par Léger, par Matisse, Picasso. Mais Matisse, il va bien avec le style d'Iwani, avec le corps. Avec les volutes, oui. les courbes du corps. Quand tu prépares une couleur. Voilà. Tu fais un test, voilà, c'est ça? Exactement. Et donc, où il y a un pot, il y a des couleurs dedans depuis longtemps, je veux voir si c'est révélable. Donc ça vient sans réfléchir. Ce que je trouve intéressant dans ces visages, c'est qu'on voit la ligne calligraphique. Si on le retourne, ça fait une calligraphie. Si on cache l'œil. Si on cache l'œil, on pourrait dire que c'est un tamarbouta. Oui, c'est le signe. Quand j'ai décidé d'aller vers la calligraphie, c'est les peintres abstraits qui m'ont intéressé. La paix et la liberté. Paix, liberté, c'est des mots qui reviennent beaucoup dans tes calligraphies. Oui, c'est surtout les années 80, parce que c'était dans ma tête, j'y pense quand même à l'Irak, à ma ville. Il y avait une guerre là-bas qui a duré 8 ans entre l'Irak et l'Iran. Et toute ma famille a subi, des amis à moi. Pourquoi les êtres humains, un jour ou le lendemain, il devient agressif et il abandonne la façon de gentillesse, de bonté. Moi, c'est des choses qui m'interrogent. Je ne peux pas trouver de réponse.
Et je cherche, et il y a souvent des réponses. Mais c'est vrai qu'elles sont toutes assez violentes. Il y en a beaucoup. Il y a des figures très massives. C'est pas le même sentiment qui se dégage de cette série. Il y a une phrase de Rumi qui dit « Avant, j'avais l'envie d'améliorer le monde. Ouais. Maintenant, je suis devenu sage, je cherche à m'améliorer moi-même. Ouais. » Il y a tellement de gravité dans la vie, on voit toujours quelque chose qui nous fait mal en écoutant l'information, alors c'est pas la peine d'ajouter. Et c'est vrai, à cette époque, je sens chaque jour ce qui se passe dans le monde et ce qui me touche, j'essaie de l'exprimer par l'art. Aujourd'hui, je dis d'abord moi que j'ai fait un art qui est valable, après on verra. En fait, chaque matin, chaque fois que je vois quelque chose, dans un journal, dans une revue, un moyen d'image différente, je dis « Ah, ça, je peux peut-être m'inspirer. » Et surtout, c'est dans la nature, les arbres, l'eau, les pierres, j'aime beaucoup les pierres. Il dit « Le sol peint le vent sans pinceau. » C'est une phrase, je crois, qui vient de l'Asie. Et moi, j'ai dessiné le mouvement de sol qui tourne. On sent qu'elle est poussée par le vent. C'est joli, hein? Très beau. C'est pas une phrase rationnelle. Oui. Parce que le sol, il n'est pas peintre, il n'a pas fait le beaux-arts. Et le vent, on ne le voit pas, nous. Donc, on voit l'effet du vent sur le sol. Quand je suis venu en France, et pour calmer la rue, on a fait beaucoup d'activités culturelles. À cette époque-là, on pensait que les travailleurs immigrés, ils vont rentrer à leur pays. On a fait des centres d'études de la langue arabe partout. Il y avait 600 en France. Et là, à Nanterre, dans une cité de transit, il y avait des familles qui sont provisoirement là, on ne sait pas où ils vont. Et là, je suis par terre, j'ai amené de l'encre et de calam, de roseau, et j'ai écrit le prénom, mais une copie. Et plus tard, ça a développé, on a fait avec ma femme Isabelle des ateliers dans des écoles primaires, on prend des enfants de première année jusqu'à cinquième année, et on voit l'évolution de la façon d'écrire, et certains, ils étaient vraiment d'un travail très net, très, très important. Et j'estime qu'il y a des gens qui n'ont pas de chance d'entrer dans le monde de l'art, et peut-être par là, ils seront les possibilités de découvrir qu'il y a de l'art, et ça les intéresse. Et pour moi, la calligraphie, ici, c'est on va à l'intérieur de soi-même. Parce que le moment où on calligraphie, on est obligé d'arrêter le souffle, on ne respire plus. Et moi, ça m'a intéressé beaucoup, parce que je dis, quand on respire plus, c'est une étape entre la vie et la mort. Parce que si on continue, c'est l'arrêt de la vie. Donc c'est là, il se passe des choses. Il faut creuser par là. Et tu as aussi fait des projets avec le Wu Tao. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'était. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est une association qui, ils sont avant, ils étaient à côté d'ici, place Stalingrad. Et j'étais plusieurs fois à le voir. J'ai trouvé c'est d'un côté noble. Ils poussent les gens qui ont des difficultés, qui ont besoin de côté corps et âme en même temps. C'est pas la danse, mais c'est un mouvement de corps qui est valorisante
On n'est pas obligé de suivre un rythme sévère comme l'opéra ou les danseurs classiques. On a besoin de lieux variés comme ça, qui permet à chacun d'aller vers ce qu'il aime. Ça, c'est un proverbe, je crois, de Grèce. Entre le dire et le faire, il y a la mer. C'est facile de dire. Il y en a beaucoup qui le disent aussi. Mais le faire, il y en a peu. Il y a une partie de ma connaissance vient de ceux qui ont pensé que je leur enseigne. Ouais. Ça me rappelle une anecdote aussi à Bagdad. Il y a un cheikh soufi, un maître soufi, il s'appelle Abou Yazid. Et un jour, son élève, il ne le trouve pas. Et l'élève, il a parti taper sur les portes de sa maison. Et il y a une voix de l'intérieur, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, je cherche Abou Yazid. Il lui a répondu, Abou Yazid, il cherche soi-même. Donc, si vous voulez, il n'y a pas, dans cette anecdote, un enseignant et un enseigné. Nous sommes en contact humain pour chacun, il essaye d'aider l'autre, de l'aider à découvrir soi-même ou à se nettoyer. On est les éboueurs de l'inconscience.